when the wind blows. Black tint on the windows. I can't see what the future holds, but I wanna know. I tiptoe. Ça, c'est le kiki. Kiki ou pas? Mais grave. See what the future holds. Ah, t'as le start and stop en plus. Bah ouais mon pote. Putain, j'ai le seum, il a une putain de caisse décapotable et tout, les sièges en cuir. Tu sais que j'ai même pas un radar de merde de recul sur ma t'es caisse pas sérieux. J'ai même pas un bip bip, tu vois. Putain. Le mec qui parle aux poubelles. Ah ouais, c'est chaud. La nuit a été compliquée et courte. On a dormi 3 heures. Le décalage horaire est bien présent. Est-ce que c'est un repas que tu conseillerais à tes clients? Non. À Paris, il neigeait en ce moment là. Il fait quoi? Il fait 20 degrés là au moins, non? Get off the fucking road! T'as vu où t'as perdu, putain? T'es rentré quand même dans une voiture hier. Mais arrête, mon casse, me casse pas les couilles, ok? J'ai pourtant juste un peu la casse là, tu vois. Bon, jeune homme, l'idée c'est que tu te poses ici sur le capot, tu vois. Et puis tu vas commencer à descendre doucement ton pantalon. Putain, il a niqué la portière. Merci, Merco! Ok bro, waouh. Mais si, mais regarde, tu vois en face là, Hollywood sign. Genre à Paris, on est parti, il neigeait, je sais pas tout. Ouais. Toi t'étais pas à Paris, t'étais à Dubaï avant, à Miami. Et puis t'as enchaîné ta carrière en fait pour des grandes marques de cosmétiques là, Nivea et tout. Ça devient une tradition. Il nous était arrivé à Miami, je me suis fait embarquer la caisse comme une merde. Bon, du coup, là, la mission, ça va être de récupérer la caisse, qu'il y a toutes mes affaires dedans, évidemment. On va lâcher 150 balles. Je sais même pas combien ça coûte. Je crois que c'est cher. Allons donner de l'argent. 280$, bam! Bam dans les dents! Écoutez-moi ce mec là. Bah écoute, c'est simple, moi je galère, je suis dans le bouchon, ça me casse les couilles. J'ai envie de péter un câble là mon pote. Après 2 heures d'attente. Allez, tu continues, tu l'enchaînes. Allez, vas-y. Moi je l'ai formé ce mec. Connu, il était tout petit au quartier. Et puis petit à petit, je lui ai dit écoute, dépasse-toi, prends en tes rêves. Bam! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné 20 cm. Il est passé à 1m96. Il est passé de 70 kg à 105. Bah, tu me feras une petite démonstration tout à l'heure. Hein, coach? Une pour ton public. Pour toi, public. Oh putain, ça va. Aujourd'hui, j'ai mal dormi. J'étais pas vraiment les excuses à débat. Quand j'ai connu ce jeune fruiquet, il était à 48 kg 500. Maintenant, regardez. Mais t'as vraiment pris en plus, hein? J'ai pas pris, non. Arrête-toi. J'étais comme ça avant. Arrête-toi. En train de plus 5 ans comme une merde. Je gagne rien. Putain, j'en ai marre. Ah, c'est bon là. Putain, merde. Safety first! Ah, qu'est-ce que vous faites, putain, monsieur? Arrête de me casser! Voilà. Vous êtes nu, monsieur, vous touchez dans votre voiture! Je vous change, monsieur! Allez, balance ton port, balance ton port direct! Putain, en plus, je t'entends, mais pourquoi tu raccroches pas, bordel? Là, on se prend nos petites 1100 calories sur juste un milkshake.
Moi je te casse la gueule direct si tu te poses sur ma Jaguar là. Viens, casse-moi la gueule. Viens. Allez. Tu fais chier tout le monde, mec. Et voilà, je me fais engueuler encore une fois, j'en ai marre, moi, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique, en fait, Joris a perdu sa voiture. J'ai pas perdu ma voiture, t'as vu la taille de... Il a paumé sa voiture, je sais pas où il a mise. Donc, mais j'avais pris une photo. Ça fait deux heures déjà. J'ai... C'est pas la dernière journée, super, la dernière journée. Oh le mytho. Merci Joris. Oh le mytho. It's all a matter of who has more control of the other person's mentality. You win, especially with fighting. That guy snaps out of his zone for a couple seconds. That 2 seconds, dude, is enough time for... The cage is only so small. Yeah, exactly. It takes you 1 second to get across the cage. In that 2 seconds that he's kind of thinking, what? You have 2 seconds to win. You can finish this fight in 2 seconds. That's what it comes down to. Oh, putain, le mec est tellement gênant. Oh, la gênance. Aujourd'hui, on va partir chez Shed, qui est une boîte d'étalonnage pour le cinéma. Et Yvan, qui est un étalonneur, je veux dire, mondialement reconnu, même si l'étalonnage fait partie un petit peu de ses métiers de l'ombre. Et là, un CV long comme deux fois mes bras. Donc voilà. Il vient en plus de Cholet, ma ville natale. Donc c'est super drôle comme quoi le monde est petit. Je vais pas pouvoir montrer beaucoup de choses, que forcément, il travaille sur des films, des pubs, même des fois des documentaires. Qui sont pas encore sortis, sur lesquels on peut pas montrer les process et puis les images, c'est normal. Donc voilà, c'était vraiment top, c'était une expérience assez intéressante d'étalonner sur son pupitre, hein, sur lequel pas mal de films sont passés, et ce qui est intéressant, c'est de voir l'œil qu'il a. C'est une expérience de plusieurs longues années. On est arrivé un peu dans un lieu mythique sur lequel on voit pas mal de photos sur Instagram, notamment, etc., sur les réseaux sociaux, tout ça, dans des vidéos, tout ça, etc. C'est le Urban Light, donc avec... Il y a des centaines de millions de lampadaires, je crois. Ouais. Voilà, la semaine à Los Angeles touche à sa fin, je vais rentrer à Paris. Je sais que ce vlog a été un petit peu décousu et un petit peu tourné n'importe comment. Il y a plein de choses qui manquent, je suis un peu dégoûté. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sur YouTube. Allez, à bientôt !